Allongez votre siège en position confort. Nous sommes prêts à décoller. Vous pourrez bientôt vous lever et danser à l'arrière, au centre et à l'avant de l'appareil. L'idée du clip est arrivée en à peu près 3 secondes et quart. Je regardais des magazines et j'ai vu une image avec le style color block, en fait. Une image d'une vingtaine de filles assez statiques. Et là, ça a été extrêmement rapidement. Le concept du concours m'est venu en même temps que le concept du vidéo. Finalement, nos 10 gagnants se disent qu'on va passer le week-end avec nous. Wow, super, félicitations. Son équipe de vous offrir votre propre équipe. J'avais besoin de trouver des Mitsu, des filles qui me ressemblaient. On a fait un concours partout à travers le Québec avec Radio Énergie pour trouver des filles qui avaient envie de participer à l'événement. Donc, le livre d'Anna, demain, on est dans un tournage vidéoclip. Un tournage, ça veut dire que vous allez voir, comme tout bon tournage de Québécois, on tourne à 400 000 $. Et de ça, bien, ça a mis quand même un peu de pression. Parce qu'on voyait que les filles avaient envie de vivre un week-end extraordinaire, un week-end de rêve, glamour, voir comment ça se passe de tourner un vidéoclip. Donc, on a essayé de leur rendre ça le plus agréable et époustouflant possible. Alors, j'ai une équipe extraordinaire qui m'a aidée à le faire, autant chez Dazmo, chez Reebok, chez Lise Wattier, qui était le commanditaire principal, BCBG, le restaurant café Ferreira également, et l'hôtel de Saint-Martin, puis on a réussi à faire quelque chose de pas mal de fun, je pense. OK. Sans capitaine. C'est la scène. Pour faire un vidéoclip, il faut aussi danser sur une chanson comme celle-là qui est si entraînante. Donc, on a demandé à Jodie Allen, qui est la première breakdancer féminine au Canada. C'est elle qui a créé le premier groupe de breakdancers de filles ici au Canada il y a plus de 10 ans. Et puis, c'est une fille qui est très, très, très allumée, qui est groundée, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Et je referais ça vraiment n'importe quand. Je pense que toute la famille va prendre les cours de breakdance avec elle. Tu mets là-dessus. Alain, c'est un des plus grands réalisateurs de films en ce moment.